C'est toi, Tommy? Tom Angelo, inspecteur Norman. Et que toi? Il n'y a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé l'affaire Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de marmot? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serai pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah, dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il réplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner, pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe? Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Toi, Polly, il y a un taxi là. Ça va aller. Toi, démarre. Allez. Où est-ce qu'on va? On s'en fout. Roule. J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Mais je veux pas d'emmerde, moi. C'est un peu tard pour ça. Roule. Mais comment ils ont pu savoir qu'on serait là? On s'en fout maintenant, il faut qu'on les sème. Ah, on a combien de voitures au cul? Une seule, mais ça va pas durer.
pose trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. Ta jambe, ça va aller? Ça fait un mal de chien. Quand on rentre, j'irai chercher le doc. Je sais pas, ça va peut-être s'arranger. Ouais, bah c'est lui qui nous dira. Hé, hey, je te vois en train d'écouter le taxi. T'as pas le droit d'écouter. Non, j'écoute pas, je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. Continue comme ça. Où est-ce que je vous emmène après le pont? Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. En voilà d'autres. Oh merde! Je connais des raccourcis, ça va les ralentir. Démerde-toi comme tu veux, mais sème-les! Desmé, non? Non, pas tous! Ces types vous aiment vraiment pas beaucoup, on dirait, hein? Non, y'a rien de personnel là-dedans, c'est les affaires! Ferme-la, Polly. Mieux vaut qu'il en sache pas trop s'il veut voir le jour se lever. Vous en faites pas, messieurs, j'ai rien entendu. Combien lors de l'échange? 4 5 Je parie qu'il a appelé du renfort. Bah oui, j'imagine. Il nous faudra plus de bras la prochaine fois. On aurait dû s'y attendre. Quand le patron va savoir ça, ça risque de chauffer. Italie. T'as pas fini ta course. J'ai rien vu venir. Tu crois qu'il a tout balancé? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Très bien. On approche. Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là.
Attends ici. Pourquoi faire ? Quoi ? Tu veux pas que le Don te remercie ? Ah. Ça, c'est pour te remercier de tes services et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Mais pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé ? Ouais, pigé. À plus tard, petit. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas.